Avec le problème des mutuelles, on a le tarif habituel. On t'arrache ton patrimoine et tu dois t'enterrer comme un moine. Ils confisquent tes biens et tu dois leur apporter ton soutien. Tu cries, tu gueules et on te dit mais qu'est-ce qu'ils veulent? Tu essaies de comprendre la situation et te voilà la tête de la contestation. Tu prends la parole et te voilà sous contrôle. Tu ne fais aucun mal, pourtant tu es assis au tribunal. Ton compte est happé par la confusion, pourtant tu dois payer la liquidation. Liquidation. La Guadeloupe, ce n'est pas l'Afrique du Sud et ses troupes. Le palais de la mutualité, ce n'est pas Johannesburg et ses rues ensanglantées. Le liquidateur Borgia, ce n'est pas le gouverneur du Cap ou de Pretoria. Mais j'accuse ici un principe immonde qui a déjà fait trop de mal dans le monde. L'apartheid, ici on la pratique raide. L'apartheid ici, on la pratique raide. L'apartheid ici, on la pratique raide. Croix, 54 mutuelles liquidées pour enterrer en première classe l'UDMG. La Guadeloupe est-elle le département français où l'on peut accomplir toutes sortes de forfaits? Il paraît, il semblerait que nous exercions un attrait sur tous les affairistes de la nation qui en veulent à notre paix. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Non, ça n'est pas vrai. Monsieur le Président, et vous, chef du gouvernement, et les ministres que nous entendons si souvent, mais où est passé tout cet argent? Envolé soudainement, disparu criminellement. C'est un détournement de fonds qui échappe à la raison. Mais afin que l'histoire ne soit pas falsifiée et que cette agression ne soit pas magnifiée, pour que la Guadeloupe ne soit pas sacrifiée, nous voulons que ce crime, que personne ne peut nier, soit expié, soit châtié. Guana, c'est Guana. Guana, c'est Guana. Guana, c'est Guana. La porte est ici, on la pratique raide. L'apartheid 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 ici, on la pratique raide.